الحساب والعالم. Ah, dis donc. Ah. Ah ben, ça l'a mis en forme. Hein. Reste oui. comme tu es. Oui, ah. Ah, dis donc, je suis content de te voir, tu sais, Dalida. On ne dit pas, mais enfin. Oh. On ne dit pas, tu es une star, enfin. Mais attends, moi, je le trouve tellement mignon, oh. j'ai envie de t'embrasser. Oh là là, oh, elle me fait clignoter, ça y est. Bonsoir, Taka, ah. tu vas bien? Bonsoir, Dalida, et toi? Dis donc. Oh, je vais très bien. Tu sais que je suis le seul à te tutoyer. Ah bon? Bah oui, même Drucker, il dit vous. C'est mais alors je vais vous voyez. Ah ben non, fais pas ça. Non, tu vas me faire rougir. Bonsoir Dali. Bonsoir Fabrice. Je crois qu'il est extrêmement troublé, effectivement. J'ai l'impression que d'abord cette superbe robe et puis cette chorégraphie, ça lui a beaucoup plu. Et puis dis donc, ce que tu sens bon. Mmh. Dis pas des choses comme ça, a... Taka, voyons. Enfin, oh, bah, mais c'est gentil. C'est gentil, mais tout de même, on a des tas de choses importantes à dire. Bon, ben alors, eh ben allez-y. Hein? Eh bien, allez-y. Bon. Allez-y, Fabrice. Faut pas le vexer non plus, parce qu'après, il fait la tête. Mais enfin, bref, il y a des tas de choses qu'on doit savoir avec Dali, parce qu'elle fait des tas de choses étonnantes. En ce moment, d'abord, vous revenez d'une tournée à travers le monde entier. Vous êtes allé chanter partout. Oui, mais partout. Là, je reviens exactement d'Algérie. Oui. J'ai chanté là-bas pendant 2 jours à Alger. Oui. Et puis, je suis de retour, là, et je suis là avec vous. Absolument. Avec Taka, dites avec Taka, ça lui fait tellement. Et avec Taka voilà, aussi. Oui, ça, oh, ce qu'elle est femme. Oui. Est-ce qu'elle est femme? Oui, oh, bon, bah, ça va bien. Oui, bon. Alors, un nouveau 30 cm d'Ali avec une chanson qui est en fait une mélodie du 17e siècle, une romance du 17e siècle, et dont tout le monde croit en fait qu'elle était la musique du film Jeux Interdits. Exactement. Et ça n'est pas vrai, c'était une mélodie du 17e siècle. Elle s'appelle, maintenant elle s'appelle Ton prénom dans mon cœur. Alors oui. Elle n'est pas du 17e siècle ni de Jeux Interdits. Alors elle est fausse complètement alors. Non, c'est pas ça, j'ai rien compris. Il n'a rien compris. C'est la musique qui était interprétée, je crois que c'était Narciso Yepes dans Jeux Interdits. Exactement, sait tout, François. Oui. Il sait tout, Fabrice. Ouais. C'était une musique en fait du 17e siècle. Ah, c'est loin ça. Oui, bon d'accord, ça prend la porte. Dali, je vais vous demander d'avoir la gentillesse d'aller choisir. Une carte postale, c'est très important pour le jeu, car il y a encore des sommes folles cette semaine. Et oui, il y a et puis des séquences, car ce sont les téléspectateurs qui programment l'émission, pour le rappeler, ça. Voilà. Alors, c'est la première carte postale, et le premier numéro est le numéro 9. Je vais aller l'inscrire. Ah, et c'est quoi le numéro 9? Ah, alors le 9, c'est un Français, oui? D'origine espagnole, bandolero, Paris Latino. Ah. Dalida. Oui. Qu'est-ce que tu me dis? Ça t'a plu? Oh oui, énormément. Oh. Ça t'a plu à toi aussi? Oh oui, oui. Mais il y a une chose qui me plaît encore plus. Tu veux pas venir dîner avec moi? Oh. Ah, moi je veux bien. J'ai du foie gras et du champagne. Excusez-le, mesdames, mais je ne se rends pas bien compte. Bah, quoi? On n'en fait pas des choses comme ça devant les téléspectateurs, Taka. Mais pourquoi? Moi j'accepte, je vais aller dîner avec toi. Et pas t'es gentil. Alors je n'ai plus qu'à me retirer dans ces conditions. Alors écoutez, Dalida, tu ne le diras pas à ton frère? Non, nous irons tous les deux, on ne dira rien à personne. Je suis quand même obligé de dire au revoir à tout le monde parce que nous allons nous séparer. Alors très bien, puisque vous allez dîner ensemble. Je n'ai plus rien à faire. Il me reste simplement à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée. Au revoir et à demain. Au revoir Dali. Au revoir. Et merci. Au revoir. Au revoir.